Hommage populaire sur les Champs-Élysées, cérémonie religieuse retransmise en direct à la télévision, des milliers de messages d'anonymes. La mort de Johnny Hallyday a créé l'émoi aux quatre coins de la France et plus encore. Depuis la mort du rocker dans la nuit du 5 au 6 décembre, tous les témoignages recueillis par les médias avaient énormément de bienveillance à son égard. Ce vendredi 22 décembre, ça a changé avec l'interview accordée par Anémone aux Parisiens. Johnny, il a fait quoi à part se déguiser et mentir, voter à droite et fuir le fils? Qu'il n'a fait que se marier, divorcer, se marier. C'était un pantin médiatique, balance une anémone sans filtre et visiblement très remontée contre à peu près tout. Le monde dans lequel elle vit a d'ailleurs lui aussi eu droit à sa critique acerbe, je n'aime plus ce monde. Je trouve ça trop con. Je n'avais pas bien calculé, j'étais naïve. Je m'étais bêtement dit qu'en étant célèbre, je rencontrerais des génies, c'est débile. J'aime bien les artistes mais du côté production, on se fade un paquet de crétins.